pour Gujan Mestra s'en fait. Cela fait déjà 50 ans que cette traditionnelle foire aux huîtres perdure au bord du lac de la Madeleine. Ce jeudi, afin de célébrer ce 50e anniversaire comme il se doit, Madame le maire de Gujan-Mestras, Marie-Hélène Deségaux, a choisi de remettre les clés de la ville à 8 bénévoles déjà présents lors de la première édition de Gujan-Mestras en fête. Les 600 bénévoles de cette année sont maintenant prêts à accueillir les visiteurs pour 4 jours de fête et comptent bien appliquer les maîtres mots de cette cérémonie : générosité, amitié et festivité. Ça fait la 50e foire aux huîtres. Nous sommes très fiers d'y avoir participé. Et voilà, nous avons eu un dur labeur pendant ces 50 années, mais toujours dans la joie et l'amitié. Ce soir, nous avons entre 600 et 700 bénévoles, dont 200 tout petits jeunes qui sont là tous les jours, vraiment, et ils se défoncent pour la fête. Et toujours dans la joie et la bonne humeur. Ça dure jusqu'à dimanche soir, avec un magnifique feu d'artifice. Que vive encore très longtemps cette fête, du Gujan-Mestras en fête, et vive Gujan-Mestras. Nous passons une très bonne soirée, le temps est nickel, il fait un peu moins chaud que d'habitude, les tapas sont super bons et l'ambiance va être bien, je pense. Ce n'est pas la première fois, moi j'habite Gujan, donc j'y viens régulièrement. C'est le premier jour, pas grand monde pour l'instant. Et en plus, dégustation rosée plus une assiette de tapas, nous commençons vraiment bien. Chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de voir.